Bonjour à tous les amis et bienvenue à ceux qui viennent de rejoindre la chaîne. Alors, vous avez pu lire ces quelques lignes que j'ai découvertes avec, avec plaisir. Je vois Michel Rivasi toujours aussi saignante dans ses interventions et toujours, je dirais, à la recherche d'une forme de vérité. Mais est-ce que ça va aboutir tout ça Est-ce que finalement les sept eurodéputés seront entendus Est-ce que ça la va déboucher sur quelque chose On sent quand même, depuis quelques temps, au niveau des tirages que je fais, et puis dans l'actualité qui vient confirmer les tirages, que les choses, je dirais, le taux se resserre sur Ursula von der Leyen. Alors, voilà, on va regarder un petit peu. Maintenant, comment va évoluer non pas l'aspect d'Ursula von der Leyen, je l'ai traité à plusieurs reprises, maintenant il faut laisser les choses arriver, mais du côté des eurodéputés, et puis du côté de son mari, Aiko von der Leyen. Et on va regarder un petit peu tout ça. Donc, comment va évoluer l'action faite par les eurodéputés à l'encontre des von der Leyen Je dis des parce que je les mets dans le même sac tous les deux, hein, bien sûr. On sent quand même cette connivence. Hein. Il n'y a pas besoin d'être voyant pour bien comprendre que la femme qui dirige l'Europe, en versant des sommes à l'entreprise plus ou moins dirigée par son mari, ben, il y a quand même quelque chose qui me gêne. Et je pense que vous aussi. Regardons. On sent déjà. Alors vous voyez... Euh, il ne faut pas toujours tenir compte de, de, avec l'oracle de Béline de tout ce qui est écrit sur la carte. Pensée amitié. On a une forme de pensée, c'est vrai. Mais regardons surtout le septenaire dans un premier temps. Le septenaire, c'est celui du soleil. Le septenaire de soleil, du soleil, c'est un septenaire qui fait appel à quelque chose qui met en lumière. Le soleil réchauffe. Le soleil donne de la lumière, le soleil apporte les solutions. Et vous voyez que là, plus que lire la carte, je dirais, euh, de façon mécanique, avec un oracle, il faut parfois aussi savoir regarder, savoir aussi interpréter, surtout avec le Béline, le septenaire. Si on passe à côté du septenaire, on n'a rien compris au Béline. Il faut absolument, avec cette carte, comprendre que là, on a, avec Michel Rivasi et les autres eurodéputés, une demande de mise en lumière. Et ils y pensent très fortement. C'est ce qu'il faut retenir, c'est cette pensée qu'il faut retenir, et par l'amitié. L'amitié, elle est mise de côté là-dedans. Donc vous voyez toujours, quand vous faites parler un oracle, pour ceux qui tirent des cartes, et puis pour vous qui écoutez aussi euh, tout simplement des... Des voyants, je dirais. Pensez toujours à ce qu'ils font. Regardez s'ils tiennent compte, par exemple, avec le Bélin du septenaire. Si ce n'est pas le cas, posez-vous les questions. Pourquoi Demandez-leur, pourquoi n'utilisent-ils pas les septenaires Et vous comprendrez, avec leur réponse, s'ils savent utiliser cet oracle ou pas. Alors des oracles, il y en a plein, c'est peut-être le seul, en tout cas à ma connaissance, qui utilise cette forme de, de, de voyance. Euh, l'oracle G est plus intuitif, et puis bon, il y a plein d'autres oracles que je ne connais pas. Mais vous voyez, toujours bien se fondre avec l'oracle que l'on utilise. Utiliser 15 oracles ne sert à rien. Ça veut dire qu'on ne maîtrise rien. Je dirais que quelques oracles, parce qu'on peut avoir envie de changer, bien sûr, je le fais moi-même, mais je dirais qu'au-delà de 5 ou 6, ça commence à être un numéro d'équilibriste et on commence à se disperser. Qu'est-ce qui va aller contre cette action face au van der Leyen Bon, eh bien, je pense que vous avez compris vous-même, c'est bien sûr Ursula van der Leyen qui va tout faire pour contrecarrer les demandes de mise en lumière de ces eurodéputés. Ursula von der Leyen, qui est au centre de tout et qui est toujours à la manœuvre dès qu'il s'agit de cacher les choses, de... de restreindre les informations. On la sent vraiment très centrée, très présente sur ce dossier. Elle sent le danger finalement, parce que pour être présente à cet endroit-là, dans le tirage, eh bien, on peut déjà comprendre qu'Ursula a peur. Elle craint ce qu'il pourrait tout simplement. Tout, elle craint tout ce qui pourrait remonter à la surface. Plus que maintenant. Et là, vous comprenez bien que si elle craint déjà ce qui se passe maintenant, et qu'elle craint que ça soit pire, c'est qu'il y a bien pire à découvrir. Quel est le conseil à donner à ses députés Alors le conseil c'est presque de se décharger de cette affaire pour l'amener plus haut. C'est peut-être un peu prématuré, vous me direz, c'est vrai. Mais à un moment, les eurodéputés ne sont pas non plus une commission d'enquête. Pas au niveau de la justice, en tout cas. Au niveau interne chez eux, mais pas au niveau de la justice. Et il y a un moment, l'oracle va leur conseiller de transmettre à la justice pour enquête ce qui est en train de se passer. C'est donc bien que c'est plus grave que de demander des explications. Et que ces explications qu'elles arrivent ou pas, parce que là pour l'instant on ne sait pas, hein, dans le tirage il reste deux cartes à découvrir, mais que quelle que soit la réponse que nous aurons ici, l'oracle conseille aux eurodéputés de transmettre ce dossier à la justice. C'est donc que les eurodéputés ont déjà matière euh, à faire tomber à la fois Ursula et à la fois Eiko van der Leyen. Ils ont entre leurs mains plus que des soupçons, plus que des interrogations. Certes, là, ils cherchent à mettre en lumière les actions des van der Leyen, mais ils ont des <coughs> pardon, ils ont déjà on va dire familièrement des billes pour argumenter face au Van der leyen Alors maintenant, sans plus attendre, on va regarder quand même un petit peu ce qui se passe. Bon, ils ne vont pas lâcher ces eurodéputés. Et finalement, avec ces deux cartes, vous voyez qui sont ici, qui sont des cartes vénusiennes, Vénus, c'est toujours l'amour. Alors c'est intéressant l'amour, bien sûr, mais dans ce cadre-là, ça reflète aussi un côté plaisant. On ne sent pas d'émotion, on ne sent pas non plus de menace ni d'agressivité. Mais on sent plutôt quelque chose à un moment où ils vont encore avoir satisfaction. Mais ce n'est pas satisfaction par rapport à leur réponse. J'ai plus le sentiment qu'à un moment, la justice va finir par répondre à leur place. Alors bien sûr, il n'y a pas de facteur de temps, mais on sait tous que la justice ne va pas vite. Quand, quand dans l'oracle de Béline vous avez un facteur de temps comme Saturne par exemple, c'est parce que le temps est anormalement plus long que ce qu'il faudrait. Là le temps sera long, c'est vrai, mais parce que c'est comme ça, parce que c'est propre aux institutions européennes et à la justice. Mais on ne sent pas non plus quelque chose qui traîne même avec Ursula aux manœuvres. Non, on sent que la justice va suivre son cours et que ça finira par aboutir. Alors, bien sûr, vous allez me demander quand, bien sûr. Mais regardez depuis neuf mois. Quand je vous avais dit qu'Ursula von der Leyen allait avoir des ennuis, je vous l'ai dit à trois ou quatre reprises ensuite, ça commençait à se préciser. Neuf mois plus tard, elle commence à les avoir sérieusement, ces ennuis. Bien sûr, une députée, une vice-présidente du Parlement européen est tombée. Mais regardez comme l'étau se resserre autour d'Ursula. Regardez en neuf mois comment la justice, comment les soupçons, comment même parfois, je dirais, certains journalistes commencent à regarder de très près ce qu'il se passe sur les Vanderleyen. L'étau se resserre. Et je dirais, sincèrement, les amis, n'ayez pas de crainte. Vous me demandez un temps, je vais vous dire pour que la procédure aboutisse. Attention, parce qu'il y a le moment où on le lance et le moment où ça finit et le moment du jugement. Tout ça, on va l'avoir sur deux à trois ans. Le parcours est encore long. C'est pour ça qu'il faut soutenir les députés. Et quand vous irez voter, alors bien sûr, vous votez pour qui vous voulez, mais n'oubliez pas de voter pour des gens intègres, avant tout, pour des partis intègres. Michel Rivasi est quelqu'un d'intègre. C'est une dame très importante. Et j'espère qu'elle sera à nouveau présente au Parlement européen parce que c'est des gens comme elle qu'il faut. Maintenant, regardons les conséquences. Pas bah, non pas pour Ursula von der Leyen, hein, je l'ai déjà traité, je vous le redis, je ne vais pas le refaire. Comme je dis souvent, en voyant, ça ne sert à rien de consulter reconsulter et reconsulter le même sujet, euh, sauf s'il se passe quelque chose, enfin. Pour l'instant, je dirais rien de nouveau. On reste, on commence à frémir sur la... on commence à frémir et à toucher la ligne du moment où il se passe quelque chose. Mais regardons sur Aiko. Comment l'enquête va-t-elle évoluer face à Aiko van der Leyen Donc nous nous sommes bien centrés sur Aiko van der Leyen et l'enquête. Hein. Et je retourne tout. Alors bien sûr, quand vous voyez ça comme ça, vous allez vous poser la question, qu'est-ce qui se passe Je les retourne pour vous les dire dans le bon sens. L'oracle de Béline n'est pas un oracle qui s'interprète à l'endroit, à l'envers, je vous le redis. Hein. Euh, on sent quelque part, presque une forme de... Avec cette carte des plaisirs... Euh, une forme de soulagement, d'intérêt, de, peut-être même je dirais d'un plaisir, comme un, entre guillemets, une petite vengeance face à cet homme tout-puissant, et surtout vis-à-vis -vis de sa femme, euh, qui, qui apporte autant de mal. Alors qu'est-ce qui va aller contre cette enquête euh, sur Aiko, hein, pas sur les Vanderleyen, juste sur Haiko, parce que sur lui il va avoir quelque chose, eh bien on sent justement que les portes se ferment. Euh, on n'est pas sur l'enquête. Hein, tout à l'heure, parce que si vous, que vous me suiviez bien, tout à l'heure, je vous ai demandé l'action des, des Européens, des députés, des Eurodéputés. Je cherchais le mot. Là, je suis sur l'enquête proprement dite. C'est-à-dire que pour moi, on est déjà passé sur un cadre de la justice. Et là, on sent les portes qui se ferment. Personne ne veut parler. Et donc, quand personne ne parle, c'est compliqué. Et pourtant, l'Oracle conseille d'aller jusqu'au procès. Alors avec ce procès, eh bien j'ai quand même tendance à dire qu'il y aura beaucoup de mises en lumière qui seront faites. Nous avons cette carte de la mise en lumière. Mais aussi derrière nous avons campagne santé. Et là encore une fois, euh, bah, je suis comme vous, je reste sur ma faim. Parce que oui, quelque part Aiko va être obligé de démissionner d'un petit peu partout. Euh, il va quitter, pour moi assez rapidement, euh, tous ses postes. C'est un petit peu ce qu'il va être contraint de faire. Une forme de mise à l'écart. Il va perdre ses prérogatives. Mais vous voyez, je ne le vois pas en prison, par exemple. Non. Non. Je le vois plus mise à l'écart avec des... Euh... Je dirais... Non, je n'ai pas le sentiment que ce soit des amendes. Euh... Je dirais une mise à l'écart, vous savez, un petit peu, euh, non pas non plus sous bracelet électronique, mais interdiction de gérer, interdiction de venir se mettre là-dedans. Alors ça peut ressembler peut-être à un bracelet électronique, mais j'en suis pas certain. Là, je préfère vous le dire. Je ne le ressens pas comme ça pour autant. Mais j'ai plus l'impression de quelqu'un qui va être mis à l'écart de toutes les affaires, qui n'aura plus le droit de gérer, qui n'aura plus cette possibilité, ne sera plus en capacité de gérer, à cause des mises en lumière qui seront faites ici. Mais là, quelqu'un qui voyait campagne santé, ça m'évoque quelqu'un qui est en retraite. Euh, quelqu'un qui est, alors bien sûr, l'image, ce ne, n'est pas la bonne, hein, qui est mise en EHPAD. Voilà. On sait très bien que Echo Van der Leyen n'ira pas en EHPAD. Hein. Euh, bien sûr que non. Mais vous voyez qui est complètement en retrait, qui est euh, isolé par rapport à tout ça. Alors, finalement, que va nous révéler ce procès qui, Parce que pour moi, il va avoir lieu ce procès. Que va nous révéler ce procès Eh bien un petit peu avec le procès, c'est que vous voyez on a quelqu'un. Euh, c'est une méthode qu'il va nous révéler. Nous avons ici une carte jupitérienne. Comme je vous dis à chaque fois Jupiter hein, qui est ici, je vous le remets, euh, c'est l'expansion. Avec une carte jupitérienne, comme le hasard, c'est un petit peu, je dirais une, une, une une méthode. On parle parfois de la méthode d'un homme. On a peut-être pu parler en son temps de la méthode Carlos Ghosn, de la méthode Mitterrand par exemple. Vous voyez, c'est un petit peu la méthode qu'un homme a de gérer ses affaires, sa vie, sa vie professionnelle en tout cas. Et puis en même temps de gérer ce qui l'entoure. Et eh bien, c'est tout ça qui va être mis en lumière. On a parlé aussi fut un temps de la méthode de, de France Télécom. Ah, avec tous ces suicides qu'il y avait eu à une époque, et il y a quand même eu quelques condamnations. Eh bien là, c'est pareil. Encore une fois, je ne vous dis pas qu'il y a condamnation, mais on va mettre en lumière la méthode von der Leyen. Cette méthode qui consiste un petit peu à noyauter eh bien, des entreprises euh, qui ont des liens les unes envers les autres, avec l'Union européenne. Qu'allons-nous découvrir d'autres Je pense qu'on va découvrir au moins deux choses. Eh bien, ça tombe bien. Nous allons découvrir le rôle qu'Ursula von der Leyen a joué dans tout cela. Donc, ça rejoint encore une fois euh, les tirages que je vous ai faits. Ursula von der Leyen n'a pas fini d'être embêtée parce que vous voyez bien que la ramification sur son mari va Revenir vers elle. Et je serais tenté de vous dire qu'au final, elle, pour, elle aura bien plus d'ennuis que lui. C'est paradoxal, me direz-vous. Pas que parce que lui, effectivement, il a joué de son influence, de son poste, il a profité des largesses de sa femme. Avec nous sous, hein, je vous le redis quand même, au passage. Ah, soyons réalistes et pas naïfs. Hein. Euh, mais elle, c'est du détournement de fonds européens. Pour moi, c'est quelqu'un qui va être vraiment, vraiment mis au centre de tout. Et qui, le moment, au moment où ça va commencer à craquer, va se faire tirer dessus à boulets rouges de tous les côtés. Voilà les amis. Eh bien écoutez, j'espère que ce tirage vous aura intéressé. N'hésitez pas à le partager au plus grand nombre. N'hésitez pas à le partager autour de vous. Et puis continuez à faire connaître la chaîne autour de vous. N'hésitez pas... À ce que la chaîne soit connue au plus grand nombre. N'oubliez pas de vous abonner, c'est encore gratuit, et j'espère que ça le restera. Que YouTube ne fera pas payer les abonnements un jour, mais ça, je n'y crois pas du tout. Et puis, eh bien, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Allez, à très bientôt, les amis.